Même quand on lâche 250 DS et que plus t'avances dans le détecteur, plus ta face se décompose. Ah, d'accord, on aura que le SSR. Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Vidéo incroyable, on va invoquer sur le portail LR qui est sorti. Le portail avec les cyborgs. Alors ce portail, il est pas dégueulasse parce qu'il y a Gohan LR dessus. Alors Gohan LR, c'est vrai que c'est un ancien LR, mais moi je l'ai pas, donc ça fait plaisir. Et le reste du portail est plutôt pas dégueu parce que sur le détecteur, on a des unités qui sont top tier malgré qu'elles soient pas Dokkan Fest. Du genre C21, C16 Tech de DB Fighters. Alors je sais pas pourquoi il est là vu qu'il vient de DB Fighters. Mais bon, il n'y a pas de logique dans le jeu, bref, c'est pas grave. Il est fort, c'est un très bon tank. Voilà, il y a Vegeta aussi qui se Dokkan en SSJ, le Hint, qui est plutôt très très bon. Donc on va lâcher 4 Muti. 4 multis sur ce portail-là, on finira peut-être par une multi sur le portail Int. Le portail Int, pourquoi? Parce que dessus, il y a Bojack, le trio GTLR et Gohan LR hors détecteur. Et je n'ai aucun des trois. Voilà, sur ce portail-là, donc je rappelle, j'ai déjà Broly. Bon, Broly, il n'est pas dessus, le Broly Tech. Broly LR, puis Goku Freezer, LR, Baby LR, Cell LR et Mighty Mask LR. Donc voilà, j'espère. Bon, après on dit pas non, un doublon, premier doublon des LR, on dit pas non. Mais c'est vrai qu'on espère vraiment choper le petit trio qui fait plaisir et le Gohan que je n'ai pas. Alors grosse annonce aussi, je ne ferai plus de live sur YouTube les gars. Je vous mettrai le lien de ma chaîne Twitch dans la description, je vous l'afficherai juste ici. Pourquoi? Tout simplement parce que sur Twitch, je vais live, je vais faire du Dokkan de temps en temps, mais je vais faire plein d'autres jeux. Donc c'est vrai que si vous venez que pour du Dokkan, bah la chaîne vous suffira, je vais continuer à faire mes vidéos, etc. Mais si vous avez envie de, voilà, de passer un bon moment, etc., que ce soit du Dokkan ou autre chose, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Je fais du Dokkan, je fais plein de choses, Sensia si vous aimez bien aussi Awakening, etc. On est là tous les jours de 21h à 22h, et puis voilà, je vous mets le petit truc là, n'hésitez pas à venir à follow, activer les notifs, tout ça sur Twitch. Ça fait plaisir, on se lance dans une nouvelle aventure, et on va commencer à invoquer. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup et que vous voulez les invocations, je le sais. Donc n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, les frérots, pour envoyer de la luck et surtout pour bien référencer la vidéo, ça fait plaisir. Et on balance la première multi, on espère avoir du lourd. Et let's go. Ok, bon. Première multi, pas d'animation. Enfin, arc-en-ciel. Donc ça peut être détecteur SR ou pas. Après, si on a un petit SSJ God, ça peut le faire. Pas de SSJ God, SSJ 3. SSJ 3, donc première multi, on a la C21 qui tombe tout de suite, donc du détecteur, ça me fait le troisième doublon, je crois, pourquoi pas. C'est une très bonne unité, donc je kiffe. Donc ok, plutôt pas mal. Je dis pas non, on va pas se plaindre. Après, c'est clair que ce qu'on attend, c'est un petit LR sur ce portail. Hein. On enchaîne sur le Rikum, vas-y, la petite C18. Ça serait stylé quand même de choper le Gohan LR parce que ça fait 2 ans. Depuis le portail des SSJ4 LR, là, il y a 2 ans, là, pour les... C'était pour les 2 ans. Ouais, c'était pour les 2 ans, les SSJ4 LR. Ah, un petit métal couleur. Hein, c'est ça, garanti, ça, c'est plutôt cool. Sachant qu'il va avoir un ZTUR qui est énorme. Ok, bon, première multi, pas dégueu. On va pas se mentir, hein, c'est pas dégueu, même si j'ai pas eu de LR. C'est plutôt pas mal. Après, c'est clair qu'on espère choper du LR. Alors, pour ce qui est de ma luck... sur le portail du trio LRGT, j'avais eu en 350DS 3 LR. Donc le Baby, le Mighty Mask et le Broly Tech. Donc c'est vrai que j'avais chaté de ouf. Après, sur le portail des tickets, je me suis fait défoncer. 150 tickets pour 4 ou 5 SSR calamiteux. Et après, le Gohan et Cell, j'ai eu les deux en 1000DS. Donc plutôt pas mal. Plutôt plus chanceux que malchanceux. Détecteur, ok. Un petit détecteur qui tombe ici. Donc vas-y, allez, allez. Montre-moi ça, montre-moi. Ah, tu veux pas me lâcher, toi, SSJ, quand t'en fous rien. Tu veux pas me le lâcher. Donc on a un perso du détecteur ou 3 SSR, je crois. Espérons que ça soit le LR du détecteur. Ça serait plutôt incroyable. Ah, punaise, j'ai déjà 100%, j'ai déjà des doublons en trop, lui, c'est vraiment poubelle, hein. Lui, il fout le seum, lui, je vous mens pas, lui, c'est le seum, ça, dommage. Dommage que ça soit lui, le perso du détecteur. Après, on n'est pas à l'abri d'un LR hors détecteur à la fin sur le SSR garanti. D'ailleurs, c'est des enfoirés parce qu'ils ont pas mis le Broly LR Tech. Un petit doublon du Goku SSJN, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est plutôt un bon perso, il avait un ZTUR aussi.
Après, bon, faut commencer à taper dans le LR, là, ça fait déjà 2 multi. Sachant que la moyenne, il y a 4 qui a calculé les taux. C'est 4 multi, t'as 53% de mémoire d'avoir un LR, donc c'est plutôt très bon, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Hop là, le téléphone qui sonne pendant la vidéo, on répond pas. On a eu un petit tout le monde, il n'y a rien de spécial. Par contre, si on a un double bagueuse, c'est tout bénef. Allez, premier bagueuse. Ah, pas de deuxième. Pas de deuxième. Allez, lâche-moi un petit truc sympa quand même là. Je veux pas me lâcher un petit LR, t'as vu? J'ai vu tout le monde drop des LR sur Twitter. Ah ouais, frère. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, je vais faire le mec de mauvaise foi et prendre la place d'un LR parce que leur détecteur et les LR aussi ils sont. C'est le mec qui est trop dans l'excès. Non, lui il est dégueulasse, hein. Par contre il est dégoûtant, j'en veux pas. Je sais pas j'ai combien de doublons dessus, mais je préfère pas savoir. Bon, le bout il est pas dégueulasse, ZTUR. Après, clairement, c'est pas ce qu'on cherche. Clairement, c'est pas ce qu'on cherche. Bon, dernière multi. Ikuzo. Ikuzo pour la dernière multi. Bon, il n'y a aucune combinaison là aussi. Après, on sait jamais. Hein. On sait jamais. C'est dommage, il n'y a pas eu un petit Végéta pour me donner de l'espoir de se transformer en Végéto. Sachant que Végéto, c'est LR garanti sur ses portails. Dabura. Bon. Bon, bon, bon. Oh, vas-y. Il fallait que ça soit qui tombe du détecteur. Et j'ai déjà 3 exemplaires en trop. En fait, j'ai à 100% plus 3 exemplaires. Donc, c'est chaud. Donc, c'est chaud. Ah ouais, 2 persos du détecteur. Et il n'y a pas un seul LR, quoi. Putain, c'est dommage. C'est dommage. Bon, les gars, on va prendre un pack. On vient dans quelques instants. A few moments later. Ouais, ouais, parce que ici, c'est les pièces jaunes. Vous voyez, vous pouvez sélectionner un LR avec les pièces jaunes. Non, c'est pas ça. Trésor. Vous voyez, là, il y a... Voilà. Les jaunes, il y a des LR. Et les bleus, il y a The Bee. Les bleus, on s'en bat les couilles. Donc, en fait, je vais faire les... Finalement, je vais juste invoquer sur le truc pour les jaunes, en fait. Vous voyez, donc... On va faire sur lui, en fait. Vas-y, on va faire sur lui. Jeu d'acteur sur 20. Donc, j'ai pris un pack. On a radlas un peu, on a donné de l'argent à Dokkan. Hein. On espère qu'ils vont nous le rendre. Dernière mutile à last. Envoyez toute votre force. Et puis, bah, let's go pour la dernière. Pas de... Pas d'animation spéciale. Pas d'animation spéciale. On va voir un peu ce que ça donne. SSG1, SSG2. Bon, les animations, elles sont en panne sur mon jeu. Même quand j'ai drop avant, c'était pas ouf. Je profite de cette dernière multi pour dire une quatrième fois que tu peux me follow sur Twitch. Il y a le lien dans la description, ça fait plaisir. Parce qu'il faut bien se remonter le moral quand même quand on lâche 250 DS. Et que plus t'avances dans le détecteur, plus ta face se décompose. Ah, d'accord, on aura que le SSR. Naisu, je l'avais pas. Alors, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire non plus. Mais c'est grave cool. Un LR que j'avais pas. Donc, nice. Naisu. Mais y'a pas eu le petit sigle LR, je l'ai pas vu. Y'a pas eu le petit sigle LR qui est arrivé. Oh là là, le sauveur. Alors je vous mens pas, je suis mitigé dans ma tête, mais en vrai c'est un truc de fou. C'est un truc de barjo parce qu'il est vraiment très bon le badak en fait. Le problème ça va être juste ces catégories où il y a beaucoup de persos. Sachant que ça y est une pure, t'as grave le choix dedans. Mais incroyable ce perso, il est vraiment très très bon, donc très content de l'avoir eu. 250 DS pour un LR, parfait, je prends plus, ça a l'air que j'avais pas en soi. Donc très très content, on finit la vidéo sur une note très positive. Dernier perso de la multi en plus, Naisu, j'ai bien fait d'invoquer sur ce portail. Ça fait grave plaisir. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. La petite... Le petit cliffhanger à la fin là qui fait plaisir.
Le Bardock qui tombe sur le dernier perso, le tout dernier de la multi. J'espère que vous avez ce que vous voulez. Je vous souhaite plein de luck pour vos invocations. Je vous casse les couilles une dernière fois pour la chaîne Twitch. N'hésitez pas vraiment. Je suis plus sur YouTube pour les lives. Donc, ça ferait plaisir qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent dessus. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao l'équipe. Tchou!